balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es un nyoso biloko ya ya wali yo kongole oni ginde kola yo a sali sa yote bona kolia na yo moko babonde la yo bona nzoto na yo babo ya ele poko babonde la yo balobi bio Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas chinois sinon on est pas ya sinon on est ali Ne colère pas de ça, parce que c'est un logo yambo, ya fresh, ya bio, bio na bio, bio na bio, si on a mangé le poulet mon canja isali, par obi njomo yali, en Cuba paniwa, par obi njenge isali, ya komba kanga ya shembo to yambi sela, par obi niyamba ya bosu ya boko boso isaga ne, kala ngando ne kala ni na basi, oye tuke na sutu, isako dia na peti, kwa mama mande. Pour pas comprendre le thème, pas comme où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous m'envoie, pas pour les radis, Coriana, appétit! Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois face à face. Le plaisir est grand pour moi parce que finalement, pour la première fois, je vais avoir une exclusivité mondiale. Quand je dis une exclusivité mondiale, c'est simplement parce que l'homme est d'abord discret, mais alors très discret, discipliné, ordonné, humble, effacé. Mais en réalité, c'est un véritable battant, un véritable champion, un gagnant. Vous allez vous dire, mais de qui on parle? C'est vrai, il est né en 1987 à Kananga, le 8 novembre. Il est né dans une famille de sportifs. Il fait 1m83. Poids lourd, léger, vous avez deviné, son nom c'est Junior Makabu Ilunga, notre champion du monde. Et pour preuve, voici ce qui a finalement bouleversé la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo et même l'Afrique. C'est le champion, cette ceinture est nulle part qu'au Congo, à Kinshasa, maintenant à Kigoma. Elle est nulle part, donc je suis certainement le premier journaliste du monde à l'avoir touché. Non, quel plaisir, vous n'avez aucune idée. Quel plaisir. Il s'appelle tout simplement Junior Makabu Ilunga. Comment allez-vous, papa? Je suis très bien, merci beaucoup, Christian. Good morning. good afternoon. Ouais, ça s'arrête là pour moi, en tout cas. Merci beaucoup. Merci champion. Beaucoup. Ouais. Et ça, la rendez-nous d'un champion. Comment tu te sens dans la peau d'un champion? Merci d'abord, Christian. Moi, j'aimerais d'abord, avant de commencer, te remercier. Merci. Parce que je regarde chaque fois, ça fait un beau temps, je suis en train de regarder la manière dont vous battez pour le pays. Et j'admire très bien votre travail. C'est pour cela que j'avais souhaité, dès que je suis au pays, vous rencontrer et tout ça. C'est parce que ça fait des années, je n'ai jamais vu des jeunes qui ont quand même fait quelque chose. En tant que jeune, j'ai dit non, ça c'est un vrai frère. Et en tant que jeune champion comme vous, un patriote. Hein, c'est la quatrième ceinture déjà. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, WBC, je suis sûr que c'est huitième ceinture. Ah, oui. Huitième ceinture. J'ai des WBC Gold, des WBC Silver, des WBC Diamant, des WBC International. Dans l'industrie des coups. Ouais. Et il faut dire... Je suis aussi champion encore à IBF. Oui. Et WBF, All Boxing Council, yes. Mais alors, champion, tout le monde a l'ingala pour nous bander comme soit comprendre. Toi, Kati Penza va comprendre. Champion, donc, tout le monde qui a 33 ans, vous avez le Kaka, vous avez déjà 8 victoires. Ouais. Alors, la salle, bah, analyse sur yo, on va se rendre compte que Ubunda, 30 combats, je parle de combats à haut niveau, haut de game, 30 combats, 28 victoires, 2 seulement au Perda, et puis 25 KO. Le tout récent KO, il y a qui a autre, il y a Nigérien, voilà. À quoi, mais à l'école de Moulaï, Nigérien, voilà. À l'école de Mounéné, mais je ne sais pas comment tu as fait pour faire tomber un Nigérien, un modèle, voilà. Merci, Christian. La première des choses, ce qui est un peu plus tard, la palmarès, c'est que na bundi mingi na batu batan de grande taille. Oui. Batu balikina na Moulaï, balikina na Moulaï. C'est-à-dire, je suis un lourd léger, mais un peu. Pas beaucoup de poids. Combien de poids? Combien je pèse 95 kilos. 95? Ouais.
Mais moi, je varie. Dans 6. Ah oui, mais ça, c'est. Peut-être masse. je pèse 95 kilos et à chaque fois, limitation, il y a cruiserweight, il y a lourd léger, c'est 90,70 grammes. C'est la limite. Voilà le poids qui est au final. Le poids limitation et la catégorie où on a tout ça. Mais deux fois, on a varié à Kanakitakati, comme au combat où il y a Kanakitakati, on a 87. Au perdre, kilo l'agneau. Ouais. Moi, si seulement je pouvais. Ouais, moi, j'ai cette capacité-là de le faire. C'est-à-dire, pour mieux répondre à votre réponse, Erna Bandagi boxe professionnel. Premier combat dans la boxe professionnelle, j'ai perdu en 2007. Okay. Voilà, c'est première fois. C'est-à-dire, j'ai perdu ça en Afrique du Sud. Et puis, deuxième combat, où on a perdu, et c'est là qu'il y a 2016 en Angleterre. On a des trop compté, on a des trop compté, pénalité quoi. En Angleterre, j'ai perdu contre. Je suis sur Belou. C'est-à-dire. Je lui ai fait KO à la première round et j'ai perdu à la troisième round. Il m'a fait KO à la troisième round. Et j'ai perdu. Je ne peux pas entrer dans le détail et tout ce qui s'est passé. C'est le sport. Il y a trois choses. Tu peux perdre, tu peux faire nil et tu peux gagner. Alors, je voudrais toujours, madame, dans le début, au bout de la Kananga, ton père, Alakinani, boxeur, compétiteur, maman, comment ça s'est passé l'enfance? Je suis né à Kananga et mon père s'appelle Ilunga Makabu. Okay. Mon père fut boxeur. Oh, il est boxeur. Ouais. Ok. Mon père a fait la boxe. A sali boxe naba, Belchika, Belchai, tous ces gens-là lui connaissent. Mais à niveau noté. Yeah. Mon père s'est représenté au championnat d'Afrique. Oh. Ouais. Donc vous êtes le fils d'un compétiteur pélogo. Ouais. Mais bakéi moustique na boxe. Un jour, ngai na ndimi au sala boxe. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui aimaient ce métier, mais Basuka, quelque part, moi je me disais, je dois faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait. La franchir ma limite, bien sûr. Ouais. C'est comme ça, vous voyez au jour d'aujourd'hui, Nathalie, Baïni, Nabiso, Basalipe, Babox, Kayumba, Bamanda, Valérie Kayumba, Mukadimanda, il y a beaucoup, Mamba Chaku, ils ont fait la boxe, mais ils étaient limités quelque part. C'est la première fois où notre pays, Lelo, Atana champion du monde depuis Mboko et que là, je suis l'unique seule personne ou seul Makambo. Mais vous n'imaginez pas le plaisir de poser des questions à celui-là. Non. Alors, mais la famille Nabino, vous en avez combien? Disons, dans la famille Nabino, est-ce qu'il n'y a pas papa, boxeur ou sous bazar? Yeah, nous avons. J'ai mon petit frère qui s'appelle Martin Bakolé. Mais il est un champion, vous êtes. Ah oui, mais je vous dis, c'est mon petit frère. il a grandi aussi. Il a été né à Kananga. Ok. Et puis. Quand j'étais en Afrique du Sud, na Koutia ou na Kinshasa, je l'ai trouvé dans des conditions bizarres. C'est-à-dire, na Kouti, petit nanga komi wewa, moi je dis viens. Je lui fais entrer dans la boxe. J'ai commencé à marcher avec lui comme sparring partner. Aujourd'hui, mon frère est champion. Quelle histoire! Donc avec qui wewa? Ouais, ici, à Kinshasa. Ok. Et récupérer? Talamoulaye na Iwana. Parce que vous pouvez croire qu'il est dans le vingtaine, d'ici là, peut-être 22 ans. 27? Quelque chose comme ça. Oui. C'est-à-dire, d'ici là, Erna Zoua qui est, Nakumo Tamboulana est comme sparring partenaire, Nakina est partout, Nakina est à Las Vegas, Nakina est en Allemagne, partout, Belgique. Il a fait des combats. Et au jour d'aujourd'hui, Namonika a commis Mukolo, il est marié maintenant. A commencé à la paix, à signer contre Naina Idiern, il fait sa vie. Et il est champion. Il est champion du monde international, WBC international. Il vient de taper, du monde de la famille. Hein? Il vient de taper un RIS en donc, Angleterre. Il est champion du monde. Champion du monde. N'est-ce pas champion du monde? Aza, Lelo, à côté parmi les 10 premiers dans la catégorie Naina Monde. 10 premiers dans le monde. Je vois un Wewa devenir champion. Oui. Mais tout est question d'effort, de travail, de discipline. Non, je vous dis, c'est par là je vais dire que tout est possible à tous nos frères qui sont de Wewa. Si vous regardez la plupart, ça va diplômer. Oui. Ils ont des talents. Ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent servir le pays. Mais il s'agit seulement, moi je suis content d'abord la manière dont notre président, que je salue aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui est en train d'amener le pays à se développer. C'est-à-dire, je suis sûr que c'est le temps où beaucoup de ces enfants doivent comprendre quelque chose, qu'ils peuvent faire quelque chose avec leur talent. Mm. Ce n'est pas seulement dans le sport. Ce sont les talents et belés. Pas sportif, pas zawana, maintenant, pas domaine et belés. Et belés, pas karatéka, pas judoka. Mais alors, Martin, par exemple, tant on le met dans... Mais il y a dans la catégorie mini boxe. Azal, super lourd. Il y a les cœurs à poids, donc, on va dire. Oui, les cœurs à poids, il paye 113 kilos. 113 kilos. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont appelé dans le combat. Non, dans le combat, la boxe n'est pas comme le catch ou le côté Rey Mysterio, le monde Baptiste. Non. Tu vois, la boxe, ça dit on respecte le poids. Mais non, 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 c'est la puissance, ça va confiner dans le coup. Martin a fait le sparring avec tout le grand monde, Bateau Azou sans travailler dans le combat. Fury, Anthony Joshua, et tous ces gens-là, ça veut dire Dubois. Mais est-ce que, par exemple, à part Martin, vous avez des commissions dans la boxe? Non, tous les gens des commissions, c'est Emmanuel Kalombo. Si vous regardez sur Internet, il est en Afrique du Sud, invaincu, 13 victoires, champion de WBF. Non, Bino, pas la Bino, vous avez un champion, champion. C'est-à-dire, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. C'est-à-dire, nous avons essayé un peu pour aider quelques garçons pour ça, la boxe. Et les lobes, allez pour évoluer. Aujourd'hui, quelle image vous avez ma jeune? Voilà, parce que j'ai entendu des jeunes parler de l'espoir. Voilà, ce qui ilunga komi boué, biso peto ko koma bongo. Parce que quand on dit le solo, il y a Martin. Donc les gens se disent que attends naza taximène, attends naza wewa, attends naza mutamusala, attends naza le lolo côté. Mais ceux qui se concentrer ne le komo boué go fout taper lobby. C'est possible, Christian. Mm. Je prends le courage de dire. Bateau, besoin qu'on désespérer peut-être qu'un beau quoi avancer, de comprendre que ce sont les signes. Cause à la championne du monde Lelo, Makambo nga la sali, ils a par accidenté. Je profite aussi de l'occasion pour voyer biso bawo bazali ko landa biso que si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Dieu est derrière tout, il est derrière toi, il est derrière les Congo au moment où je vous parle. Yomo en France, non, avec une c'était compliqué aussi. Moi, quand je grandis, pour arriver là-bas au championnat du monde, ce que n'a bêté le moqué, oui, je ne vais pas avoir l'idée. Bêté le solo. La longue Kananga, n'a commis n'a eu qu'au salle à l'ISTA. Ah ouais, ok, n'a eu qu'au salle à l'université. J'ai étudié à l'ISTA, Moucher tout même, ouais, et je quitte là-bas. N'a eu n'a bandeau fan de la Livoulou, n'a commencé à l'entraînement. Je suis commis dans l'équipe nationale, dans Martyr, avant comme équipe nationale. C'est-à-dire, j'ai trouvé l'organisation, ils allaient qu'une compétition pour organiser, qui n'a INCA, la victoire. Ils allaient qu'un championnat du Congo. Et je regardais, il n'y avait pas personne qui devait représenter ma province, Kananga. Et j'ai dit, je vais représenter ma province. Ils allaient qu'un unique seul boxeur, oiseau, côté sans entraîneur, si les gens peuvent se rappeler. Et j'ai fait 4 victoires. Oui, j'étais sélectionné dans l'équipe nationale. Et quand je suis arrivé dans l'équipe nationale, à ma grande surprise, à l'aéroport, à 1h du matin, avion Kenda, passeport, on a eu Bunga, on a eu Tikala. Oh là là. À faire voyager Batumusu. J'étais déçu. C'est-à-dire, c'est au jour d'aujourd'hui, on a eu comprendre que les gens ne sont pas tous les gens qui ont été calmes, ils ont été escaliers pour avancer. Et quand je suis resté, on s'est découragé à quitter. Et là, on a été dans le Mamboka. Ok. Et je suis sorti, je suis allé en Afrique du Sud. Dans des conditions bizarres que je ne peux même pas vous relater. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a aidé. Je suis arrivé, j'ai vu mon entraîneur Nick Durand à la télé. Et je ne l'ai jamais vu. J'ai dit, si je trouve un homme pareil, je ne vais pas aller de l'avant. Et c'est la première personne où on a amené avant. Ma Jim Boy. Comme ma Kamulando, on a amené à la TV, mais on a amené face en face. À Salinga test, j'étais bon. Après, j'ai place à Oufan, dans Oufan, dans la gym. Ok. J'ai commencé à souffrir, oui. J'ai accepté tout ça. Donc, Oufan dit dans la salle de gym. Salle de gym, voilà. Oui. Des places où là, la carte. Des places où là, la carte. Des places où là, la carte. Donc, on est champion dans sa vie. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, regarde là où je suis. T'es toi qui as un homme sur le mobile. Alors, tant que ça, le sport, tu profites aussi au salle d'entraînement. Pendant que vous faites la salle, vous faites l'entraînement, vous vous appelez. Non, vous faites la paix. À ce moment-là, champion Moussou Bazar. Champion Moussou, il y avait beaucoup de champions. D'accord. On avait le Kechas Baloy, Zonke Fana, on avait le Philippe Ndou.
il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de boxeurs professionnels qui sont connus dans le monde. Mais Air Nazareth, au travail, ce n'était pas facile. J'ai commencé, et je suis allé au premier combat, à perdre le combat, et mon entraîneur ne m'a pas abandonné, il m'a gardé. Il m'a dit, je sais que tu peux penser mal, mais tiens, ça va aller. Alors le premier combat, c'était le combat des souvenirs pour nous. Il faut gagner, il faut épaté coach, tout ça, mais là tu perds. Je perds. Au perdre à KO. Encore deuxième découragement, oui. À KO. Ouais. C'est-à-dire deuxième découragement. Comment je peux dire ça? C'est-à-dire, na otia quoi, cause à abandonner à l'aéroport. Oui. J'arrive là-bas, je perds. Là, je me vois que non. C'est pas ta vie et tout. Je reprends encore. Alors, tant que perdre le combat du Bosoa, est-ce que tu vois tout un rêve tomber ou tu espères encore qu'un jour continuer? En tant que croyant et chrétien, ce temps-là, j'espère, je me rappelle que je suis allé voir mon pasteur. Ok. Paix à son âme, Vincent Chitamba. Il est décédé il n'y a pas quelques mois à travers ces histoires de Corona. Et je suis allé le voir pour lui dire, non, moi, c'est moi qui, au lieu d'y encourager, c'est moi qui lui fortifie. Mais il est mort, il est terrassé, quoi. Il ne pensait pas que tu allais perdre. Moi, je lui ai dit, je sais que c'est le couragement, mais moi, je sais que je peux y arriver. Alors, tu as perdu dans le KO? J'ai perdu par compte d'arbitre. C'est-à-dire, comment ça? C'est-à-dire, quand vous voyez le Nigérien, quand vous avez regardé, quand on te sonne, il faut qu'on te demande si tu vois... ça va ou ça ne va pas. C'est-à-dire, tu dois savoir le règlement. Et comme on ne s'entendait pas la langue... Mais tant beaucoup, il y en a KO, par exemple. Les amis, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous voyez, la boxe... La boxe est très dangereuse. Oui. Après, Lisa, c'est Ali Kofi. C'est-à-dire, ce qui va sonner... C'est-à-dire, il y a des exercices au balak, ça fait qu'il faut bouger, tu n'as bon goût. C'est-à-dire, c'est pas pour rien, vous avez vu, il y a beaucoup de gens, dans le temps de Mohamed Ali, ils ne savaient pas prendre soin de leur corps et tout ça, ils ont eu des problèmes de tête, ils ont eu des problèmes. C'est un peu différent jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, en bref, la boxe est très, 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 très dangereuse. Alors, tu sais, au deuxième combat au Bundakindé, où on a eu gagné alors? Ouais, c'est-à-dire, c'est à partir de là, deuxième combat KO. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire du KO. Je fais des exploits. Je fais directement 10 combats, 9 KO, à part les défaites. Et je me suis retrouvé avec 9 combats devant un boxeur championnat du monde WBF, qui était un Brésilien. C'est la première fois où j'ai combattu la première personne qui avait 21 combats, 19 victoires. Et moi avec quelques combats. Au coup, ici KO. KO, on est tourné en Nigérien. Ouais, c'est-à-dire je lui ai fait KO et l'abandon. C'est-à-dire, je vais dire quoi par là quand j'ai parlé de la jeunesse. Que non, quand je vois le jeune, comme j'étais. Et je me rappelle, quand je suis allé combattre, j'avais eu l'inspiration de l'ancien président, Joseph Kabila. Oh. Oui, je vous dis, comment ça, j'ai vu, je vois, j'étais nouveau en Afrique du Sud, je ne parlais pas l'anglais. Je vois un président jeune. Moi, je dis, comment il est devenu jeune comme ça, président? Comme il est jeune, moi aussi, je peux devenir jeune champion du monde. C'était ça mon inspiration. Parce qu'on refusait que j'avais de paix de combat. Je suis jeune, je ne peux pas aller au championnat du monde. Ça m'intercalait. Maintenant, moi, j'étais fortifié par ça. C'est-à-dire, je n'ai pas eu peur de mon adversaire. Tu te dis, comme il y a un président jeune au pays, je me rappelle, moi, je serai jeune champion. Et j'arrive... Je gagne les combats, je prends ma ceinture pour venir le présenter. Malheureusement, on m'a jamais réussi et tout ça. Et le canambo. Là, quand je suis champion, je vais recevoir. Je n'ai pas d'inspiration dans la Kinda. On parle de choses. Je vais gagner la porte, en fait. C'est ça, ouais. Et j'étais reçu par son frère Zoé Kabila. Oui. Après la charque. Après la charque. Il a quand même fait beaucoup pour la boxe. Moi, je vous dis. Je partais dans un camp de préparation. Il m'a même soutenu avec le camp de préparation. À ce temps-là, il y avait la boxe. Il a repris la boxe. Il m'a réussi. Il m'a dit... Je me rappelle, il m'a dit quelque chose. Le président est beaucoup occupé. Et peut-être on va voir. J'espère. Moi, j'ai dit merci beaucoup, Excellence. Et je n'ai pas le choix. Je reviendrai. Et c'est tout. C'était magnifique. Mais dites-moi un peu...
aux champions du monde. Mm-hmm. Mais comment se fait-il que na Congo to ando komingité? C'est plutôt l'Ibanda parce que tu le seul. Moi j'ai entendu des gens parler quoi gabonais, parce que babi aux a côté avec Éthiopie, donc babi aux sud-africain. Donc on a dit congolais mais chaque combat on a un drapeau ya Congo, Congo. Alors que mutu moko tia zaki kuta bete le solo na yo et ainsi de suite. Christian Omoni ce que moto alingi mboka. Ou bien alingi loko. C'est difficile balongo la moto na esika na ele kwango. Les gens comme nous. Je me suis toujours dit, je suis un vrai patriote. Peut-être les gens croyaient peut-être que c'est parce que Félix est là, les gens qui pensent au tribalisme et autre chose, c'est pas seulement ça. C'est pas pour Félix. Parce que c'est moi, depuis très longtemps. Oui, moi je suis patriote. J'ai gardé le titre, mon drapeau, ça fait des années et des années. Au changement de nationalité? Jamais. Je n'ai jamais changé de nationalité. Vous êtes congolais. Attendez, vous êtes dans l'Afrique du Sud, vous êtes bien Kuna. Vous avez un passeport congolais. Vous avez un passeport congolais. Vous avez un histoire à Tamorote. Non, jamais. C'est-à-dire, vous avez changé de nationalité. Vous avez au jour d'aujourd'hui, président, ce gaz à présidenté, parce que c'est ce que les gens pensent. Non, moi, je resterai toujours congolais. J'aime le pays, je suis patriote. Et je le resterai. Combien de fois tu as tenté qu'il y a un pays qui est là? Disons, combien de fois tu as tenté qu'il y ait une ceinture ou un ancien président ou qu'il y ait été? Combien de fois? Ah non, je suis venu plusieurs fois. Si j'appelle mon frère, il peut vous montrer toutes les demandes d'audience. Mais rien toujours? Non, rien. On donnait quelle raison? Ah bon, il était beaucoup occupé. C'était, on va vous rappeler. On va écouter un peu pour ces ceintures ou là, ça y est, ouais, j'étais champion. J'ai gagné ma première titre en 2011. WBF. 2011. Ok. Je suis devenu champion du monde WBC international. J'ai gagné ça à Monaco. À chaque fois où je faisais quoi que ce soit, je venais au pays. Je passais à la RTNC. Je parlais. J'avais seulement que le même langage. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, j'ai dit merci au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui nous a donné le valeur. J'étais surpris, j'étais dans le camp de préparation et j'ai vu le président qui a parlé de moi devant tout le monde. Voilà, oui, oui. C'était au Palais du Peuple. Oui, oui, Palais du Peuple. Si j'ai entendu, moi aussi. Ouais, okay. Je venais après avoir gagné le combat en Russie. C'est-à-dire, par là, Christian, je veux juste souligner que je suis un vrai patriote. Ou Azali Kota là. Kemboka. C'est pour cela, tellement que Nabanda est Kosa la Moulibanda. J'ai dit non. Ça fait très longtemps vis-à-vis de l'inspiration de l'histoire du combat de Mohamed Ali. Vraiment, quand je suis arrivé au championnat du monde, j'ai dit nous pouvons faire un bout de Jungle 2, mais chez nous. Pas avec les côté, Américains. Côté anglais, on comprend l'unité. C'est-à-dire, c'était. Qu'est-ce que je peux le dire combat du siècle. Le combat du siècle, numéro 2. Mais deux. Nous pouvons faire ça chez nous. Ah, d'accord. C'est-à-dire, chez nous au Congo, pas avec les Américains comme Mobutu l'avait fait. Mais avec les Congolais. Comme je suis là, je suis allé voir la personne qui avait organisé ça à ce temps-là, Don King. Ah, ok. Je suis allé à Miami avec mon manager. Avant de faire ça, avant de faire avancer d'abord la boxe ici, je suis venu. J'ai trouvé que la boxe a commencé à évoluer avec le général Louyoyo, que je salue, qui est mon promoteur maintenant. Ok. Et je suis venu le voir. Ce n'était pas facile pour le rencontrer, lui, en tant que général, président de la fédération. Et ce n'était pas facile d'introduire mon dossier et parler. Et à ma grande surprise, je lui avais amené l'histoire de WBC International. Il a accepté de le faire. Et je fais ce combat. J'ai monté sur les rings, j'ai gagné. Et nous sommes allés chercher Don King pour lui dire que non, j'ai la chance, je suis sorti numéro 1 et je dois combattre pour la ceinture WBC. Vous pouvez venir le faire chez nous et... Nous avons pris le superviseur qui était superviseur dans le temps du combat Mohamed Ali, Foreman Oshinushi. Ok. On nous a donné toutes des arbitres et des juges. Et quand ça s'est passé, c'est au jour d'aujourd'hui, depuis des siècles et des siècles, c'est la quatrième fois où j'amène deux fédérations internationales faire la boxe au Congo. Mais c'est qui? Mais ce qui est très bien parce que, mais à un moment donné, considération, il y a boxe dans le Congo et dans le niveau.
selon Yonomunaka, par exemple, nous avons dans l'Afrique du Sud, nous avons une conversion au Sud-Africain, mais c'est la boxe, et pas la bisso. Est-ce que considération, ils ont mon compte, qu'est-ce qui ne marche pas? Je vous dis, même Bangou, Libanda, ils savent de quoi les Congolais sont capables. Ok. C'est-à-dire, et là, où ils allaient poser les pas, ils ont la condition. C'est ce que nous voulons. Vous voyez, les lots peut-être que tu vas poser à la base, est-ce que c'est Makabu qui parle ou c'est pas lui parce que tu vas y aller à la colobaté. C'est-à-dire, il y a des histoires que je ne peux même pas. Vous êtes trop timide, ouais, ouais, ouais. Il y a des histoires où tu as le bas vis-à-vis, il y a le peuple congolais, la boxe, où tu as tout ça là. Pour boxer, elle a beaucoup vu que où est mon akiwana. Parce que nous avons des talents, nous avons des enfants qui peuvent faire ça. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans le pays dire que nous allons faire ça, ça et ne pas faire. Mais je préfère garder silence et voir ces histoires s'accomplir. Ok, maintenant, considération. Considération, c'est-à-dire, nous avons des talents que les autres n'ont pas à l'extérieur, je vous dis. C'est vrai? Je vous dis en franche vérité, regarde au jour d'aujourd'hui. Bah oui, bah Simbi, Afrique du Sud, les gens sont congolais. Donc vous avez bien les dans la Coupe d'Afrique du Sud, par contre, je vous dis, si on organise des compétitions au jour d'aujourd'hui ici, tu m'as dit que ça, la compétition, quand on est toujours salangoné, on n'a qu'un samedi. Parce que quand je suis arrivé en Afrique du Sud, c'était chaque fois avec Blow by Blow, c'est-à-dire c'était la boxe chaque vendredi. La chaîne internationale nationale montrait la boxe chaque vendredi. Il y avait des promoteurs, il y avait des gens qui organisaient des soirées. Vous savez, le problème au pays, c'est quoi? C'est les gens qui aiment la boxe, mais ils ne savent pas comment ça s'organise et comment ça se fait. C'est pour cela, moi, je n'ai pas un mauvais cœur. Parce que c'est pour cela que Dieu a salaki qui n'a qu'une mon ango. C'est pour cela que nous autres, toujours travailler. Regarde avec la fédération, au jour d'aujourd'hui. Voilà, qui avant eu Bunda, attention à Bunda qui a. Oui, bah bien, ils se sont bien battus, en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont très bien combattu. C'est ça ce que nous cherchons. Parce que bon on va promoter, bon on va battre. Ce bon on va talent, c'est. On voit ces enfants-là. C'est comme ça maintenant nous allons les reprendre. Il doit combattre contre d'autres personnes. Il doit ramener demain. Ce sont des ceintures du championnat d'Afrique. Ils ont 4 champions d'Afrique. Ok. Ok. Qui les enfants ont pris. Vous voyez, c'est-à-dire la boxe en Afrique du Sud est avancée. C'est parce qu'ils savent comment faire avancer. Ici, nous, on doit aider notre fédération. On doit aider le président. On doit lui montrer comment ça marche. Pourquoi? Parce que nous avons été surpris. Nous voyons comment les budgets sont votés. Et dans la parole, il va faire le sport. Dans la parole, il va faire le sport. Le ministère, il y a sport. Il faut à dispatcher en gros, selon la fédération. Il y a sport. Comme ça, la fédération, nous avons organisé. Azana, budget quelconque, où ils ont la capacité d'aller. Et la fédération, net ya boxe, il faut faire atteindre autant de licences dans les promoteurs. Ce sont des promoteurs wana, où ils sont reconnus par le gouvernement. Où le gouvernement pèse quelques bambons, où ils vont promouvoir bon boxe dans boxe. Et avec, ensemble avec des sponsors. Mais comme il y avait beaucoup de désordre, c'est pour cela que ça marche mal. Donc c'est possible que tout faire développer boxe dans boxe. Nous pouvons aller plus loin. Ah bon? Kakana Bidia Mouké. Mais le but que les Congolais bah la discipline était les Congolais bah dans la bande makasi ya kaya la libanda nakatia wa il y a des boxeurs mais qui ne sont jamais connus qu'on ne se connaîtra peut-être pas non. Et tout vous ça vous voyez dans la boxe professionnelle dès que vous êtes discipliné où est-ce que je suis aujourd'hui c'est parce que je me suis discipliné c'est-à-dire sur vos yeux sérieux dans mon salon vous allez pour ça tu vas aller de l'avant la discipline elle est basée sur quoi exactement la première des choses ici chez nous quand on regardait le boxeur, c'était un voyou. Oui, oui. Kouluna, un bagarreur de rue, non, tout ça. Non. Est-ce qu'on peut faire les études et aller faire la boxe? Mais je suis là. J'ai fini mes études, mais j'ai fait la boxe. D'accord. Et je continue. J'ai des histoires à faire. Et après, les gens oublient qu'après la boxe ou après le sport, la vie continue. On fait quoi après la boxe, par exemple? On passe toute sa vie à l'hôpital. Pour soigner Moutou, pour Makofi Lekimingi, on fait comment? Non, Christian. Au jour d'aujourd'hui, Fédération Mounen Namonde est la WBC que vous voyez. Oh, c'est la. Numéro 1 Namonde. Oh. WBC, oui. C'est pas un truc africain? Non. Ah, d'accord. Fédération Oyo, Azo suivre le boxeur de près. Avant, au Matarin, on peut faire un brain scan, médical, nyonso, aux anabas docteurs, tu tends tout.
atamis tout. On regarde, Bazoland, l'évolution a eu. On a des managers, on a des promoteurs, on a des gens autour, autour de nous. C'est pour cela, moi, un docteur international, on a trouvé qu'il y a des lacunes, tu ne vas pas boxer. Ils vont te protéger, ils ne vont pas te mettre fin. C'est différent que dans les anciens temps. Mmh. Alors, champion, Nungub, c'est juste comment on veut dire. Pratique, pratique. Pas tout bas, exactement. Combien de gens sont là, mais ils ne sont pas si connus, combien de gens sont dans la vie. Premièrement, Botala qui combat Cheslak devant quand le président était là. Oui, oui. Vous voyez que c'était techniquement. Cheslak était invaincu. Mais la pression, aussi, chef de l'État Zawana, tout ouais. Ça. C'est-à-dire, pour combattre on est salamant, c'est pour cela que je remercie toujours le chef de l'État. Parce que quand il s'implique dans quelque chose, ça marche toujours. Regarde comment il s'est impliqué dans cette histoire-là. Et il est en boulot. Malgré le dernier, jusqu'à la dernière minute. Dans le salaire, il y a un overtraining, c'est-à-dire dans l'exécutif, il n'y a pas de micro. Regarde ce combat. J'étais en chef, c'est-à-dire j'étais prêt. Pourquoi? Parce que dans le salaire, il y a un overtraining. Vous voyez? C'est-à-dire le combat était dur contre Cheslak. Il y a un combat qui était encore dur contre Tabis Mchunu en Afrique du Sud. Voilà combien de rounds? J'ai gagné un 11e round par KO. Il y a un combat de Papin en Russie. J'ai gagné par une athlète de Chijin. C'est-à-dire, j'ai gagné par l'imitation de 3 juges sur 1. Ça veut dire que y a un combat pour mon film d'avec une date. C'est-à-dire, bah, juge va passer une victoire. C'est-à-dire, bah, contre un point de gagner. Mais, champion, tant que tu as un coffre, il y aura deux bêtes à mon tout. Vous mettez dans les boumous, vous mettez place à Otik. Qu'est-ce que vous visez à Nîmes exactement? Auparavant, quand on comptait, d'après la boxe, quand on comptait auparavant, tu m'en as envisagé quand Otik, si vous mettez mon Ninga dans le Moutou, vous avez 10 points, dans les boumous, vous avez 5 points. Maintenant, la boxe, c'est-à-dire, on vise le point. C'est comme ça, la boxe, on commence par l'amateur. C'est pour cela, vous voyez, avec les amateurs, il y a des gants qui sont pointés. C'est-à-dire, il faut faire l'effort de façon que les places où ils rentrent, ils ont un effort au pointé. C'est-à-dire, la boxe. C'est d'abord la précision. C'est-à-dire que le meilleur gagne. Je précision, on a moutou et moutou. Ah oui. C'est ça. Ce que le gant est calme à 2 à 4 et amplifié. Le gant. Je ne peux pas dire qu'il est 2 à 4 parce que c'est encore beaucoup de trucs terribles. Je peux dire ça. Mais alors, pourquoi nous avons commencé à obéir moutou? Bam! À quoi il m'a dit? Nous avons commencé à obéir moutou. À quoi il a télémis souté? Pourquoi avant, il y a des règlements, il y a des rules quand vous voulez combattre. C'est-à-dire, les arbitres passent dans le change room, dans le velsière, ils vous expliquent. Regarde, tu ne peux pas taper quelqu'un en nique, tu peux pas, si quelqu'un tombe, tu ne peux pas lui enchaîner. Vous voyez, les Nigériens étaient par terre, je ne l'ai pas enchaîné. Pourtant, directement, on va te sanctionner. Ce sont des règlements. C'est-à-dire, la boxe, nous avons le temps où on appelle causerie morale. C'est-à-dire, on nous montre comment, où vous pouvez sonner quelqu'un. Oui, tout ça, on connaît. Les points faibles, les points vitaux. Et tu n'as pas eu le temps de faire ça. Non. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, la boxe est très dangereuse. Okay. Il y a des coups qui sont sur le bébé, tu as eu le supporter. Ce que je veux dire, permettre de regarder le bon quand même. Comment on a oublié? On a gagné le pain, hein? A gagné le pain, ainsi de suite. Bah, gagné la vie. Et comment déjà? Et comment déjà? Tu es maintenant à Bilingui, tu es dans la ville, moi. Tu qui m'a fait Tumba? Ou alors, tu qui m'a prison? Ah oui, non, j'ai un homme qui me présente. C'est pas que. Au fond, on se défend au PT. Nous avons ce qu'on appelle self-défense. Nous pouvons aussi nous défendre. Mais au défense, ça ne vous a pas bien. Mais c'est pas dire que. On est naïf. Non. Mais est-ce que comme elle a déjà que Silica, par exemple, un homme aussi, ton âme, ton oui, je suis un être humain, ça arrive. Et bimapé. Batouba Kosayote, ou Batunion Sozumunawanake, non. Non. Être humain, nyon so, Azana Bassansation, nyon so, Moutunion Sozumunawanake. Je peux te fâcher, je peux aller loin aussi, tu vois. Est-ce que tu as fait une vie normale, vous? La vie normale, oui, j'espère, oui. À quoi, sort avec une, à quoi, non, je n'ai pas tapé pour Akoufa, mais
je me suis défendu. Je me suis défendu, c'est tout. Je vous dis un jour, Tangina Omo, dans la vie, c'est mais si on est au monde, on est au mais est-ce que si on est déjà au monde, on est au Kiti, à se rendre compte que Vendée est champion. Ouais, et comme à chaque jour. J'imagine, hein? J'imagine les pauvres. Hein? Ouais, c'est-à-dire. Ils disent quoi, au fait quelqu'un vient, il grandit, il fait tout, et après, tu demandes pardon, et après. Bah y'a bah ici ils ont mon tout terre en limité. Voilà, oui, qu'ils ont besoin vraiment. Ils ont besoin pour leur travail. C'est on nous apprend tout ça. Oui. Nous sommes bien disciplinés. Donc vous devez avoir une maîtrise. Ouais. C'est-à-dire dans les causeries morales on nous apprend tout ça. C'est-à-dire nous devons nous abouer. Ils sont difficiles en tant que chrétien parce que nous a moi dans Zambé, dans Sambelaka, nous a protocole dans l'église. Tu sais, un ministre. Il y a un protocole d'église. Mais oui, les gens croyaient que quand je vais devenir chapé de monde, je ne veux pas laisser. Mais à chaque fois, quand ils viennent dans l'église, ils me trouvent à la porte, je donne des gens en place. Mais la prière, là, aussi, on ne va plus sur ma casse. Mais c'est ça. C'est le métier. Quoi. La prière, là. Quand on est au salaire, le métier, là, c'est ce que j'ai fait. Souvent, ils m'ont appris ça. Mais alors, mais c'est vrai, champion, il y a des choses qu'on doit finalement se dire. Mais est-ce que tu penses que la boxe congolaise a des infrastructures pour reconstruire sport ou construire carrière, il y a pas jeune. Moi, je vous dis, avec la boxe, avec les Congolais, nous pouvons faire les histoires. Je vous dis, ils ont changé de nationalité, ils ont saisi des opportunités et les lobes ont recruté à cause de mon côté. La plupart. Mais est-ce que nous avons des stades? On a des stades ici, ma terre, à boxe, à Congo, tout ça, non? Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de travailler. D'ici là, vous allez voir quelque chose de concret. C'est-à-dire, nous n'avons rien, rien ici. Regarde la manière dont nous avons organisé chez Maman Gebi. Franchement, c'est. Nous avons organisé, mais quand même, tellement que nous avons la vision, nous avons l'idée. Vous voyez comment est Bimi. Est-ce que Nigeria, parce qu'il y a quand même la Nigeria, Nigeria est quand même un pays de référence en termes de boxe, voilà, l'infrastructure est bien. Ouais, mais n'oublie pas que lui aussi, il ne vit pas qu'au Nigeria. Ok. Ouais, il est professionnel, il est parmi les 10, il est numéro 2 mondial. Il vit à Californie avec son manager. Numéro 2 mondial? Oui, après WBC, non? Oui. Après Yo, bien sûr. Oui, regardez, vous allez voir. Les problèmes. Donc, il y a un numéro 2 Nayo. Ouais, c'est-à-dire, il y a un numéro. Tu as 4 Africains. Ok. La minute parmi les 10 premiers, la 4 à WBC. Tu as Kevin Lerena, tu as Tabiso Mchounou, tu as Kina Dirodola, Nanga. C'est un numéro 1. Parce que il y a un numéro 2 Nayo. Yeah. Okay. C'est-à-dire, Ponaki qui est à la défense volontaire, Nazo Africain. Comme ça, sentir ce que je n'étais pas sûr que je vais perdre. Ce que mon talent est perdre était qu'en Afrique, il y a des battes. Alors, mais dites-nous, selon les gens, Babi Bouyo, quand il y a un mouton, il y a ou gagner pour ça, le Congo, il y a et ainsi de suite. Mais si ce que tu as un mouton, 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 boxe, bako sauter. Bah, je rappelle ma combat la boxe. Et quoi, c'est la maté. Kanisa, tiens, non, moutouke, tout ça, yobo, Christian, tout soignité, et le côté. Bah, il ouvre la boxe, tout bandibito. Moïté. Tiens, non, il ouvre la moto. Et puis, Yozo s'est capé en plus. Moutakoui, au Kubini, film, 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 osez-le. Osez-le, mais faut avoir un esprit très fort. Tiens, naïb, c'est d'abord. C'est que les gens ont bruit. Ce que les gens sont en train de voir, c'est l'inspiration. Peut-être que au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui sont derrière lui. Non, toutes ces choses-là. T'as d'abord, on est à l'attaque. Ce sont les inspirations. Ce sont les choses que nous avons dit avant de monter sur les rings. On a une couille, pardon, Lyon. Lyon. Oui. Ok. Tu vois, regarde la musique qui s'est jouée là. C'est parce que j'ai raisonné que l'année prochaine, notre président sera le numéro 1 de l'Afrique. Mais regarde la chanson qui même si le ciel tombait, litons pour la paix. C'était pour l'Afrique. Mais est-ce que tu es un boxeur panafricain, on dirait? Non. Moi, je vous dis, j'aime beaucoup l'Afrique à chaque fois où je parle. J'aime beaucoup l'Afrique, j'aime beaucoup le Congo. À chaque fois dans mon discours, quand je parlais même de prendre le prince de Monaco et tout ça,
je parlais c'est moi qui l'ai fait. Alors, 60 ans après l'indépendance Nabisso, aujourd'hui, le premier Congolais champion du monde des Ayous, est-ce que vous avez l'impression que vous avez considéré Nagis de titre à l'Ayou, ou tu penses que, bon, il y a diamant et pas boulanger, quoi. Il y a un diamant et pas boulanger, quoi. Il y a un diamant et pas boulanger. Première des choses, nous avons un président à Abisso, qui a eu un médaille de mérite. C'est vrai, je suis sûr que je le mérite. Non, mais tu auras une médaille, non, certainement. Le chef de l'État, côté aura sa terre, ouais. Il fait primer les compétences. Que, on va me les donner. Et je demande encore à nos compatriotes congolais, bah, c'est découragé. 60 ans après l'indépendance, nous sommes la championne du monde. Il ne faut pas que toi abandonnes. Il y a des enfants et des talents qui peuvent faire beaucoup mieux plus que ça. Et puis celui qui a gagné ce combat à 33 ans, c'est-à-dire un jeune congolais. Tout ça a un talent. Pourquoi je le fais au pays? Les gens ne comprennent pas pourquoi je le fais. Oui, parce que la COVID avait dérangé ça aussi. Non, ce n'est pas seulement la COVID. Quand je fais le numéro 1, quand je fais l'international, il y avait des COVID. Quand je me suis décidé combattre contre Glenn Johnson, WBC international ici au Congo, il y avait les COVID. C'était le temps de Kamise Kabila. J'ai organisé ça ici, au Grand Hôtel. Oui. WBC déjà international. Oui. Avec un Américain ici au pays. Quelle année? 2013. Mais 14. Ouais. Kabila Ayaka n'a stade? Non, Ayaka. Mais le gouvernement Ayaka? Ah. Aucun membre du gouvernement? Seulement son frère qui était là, Zoé, qui aime la boxe. Il était là. Je gagnais 9e round par KO et j'ai pris la WBC internationale. C'est là où j'avais abandonné le Sud-Africain. J'avais déjà la vision. J'aimais le pays, je voudrais arriver. Jusqu'au bout, au jour d'aujourd'hui, nous sommes là. Mais ça me fait quand même bizarre de savoir que bah, au carrière, nous avons le loto, depuis Kala, et nous avons la championne depuis Kala. Depuis 2007-2008. Vous avez déjà champion. Regarde. Mais le pays ne t'a jamais reconnu, en fait. C'est la première fois. Pour cela, je remercie le président. C'est la première fois d'être reconnu. À mon avis, c'est sûr déjà. À mon avis, déjà, on a gagné qui. Et là, mais elle va défendre à mon nom. Il faut que ça, qu'il va payer sa guerre, on doit défendre, on doit payer sa moussous. Ok. Sauf que tu as dit, oh yo, ils ont la bilongue, ils ont bichoté. Elle a gagné, qui est la moussous. Oh non, moi. Ah, ils ont la WBC. On dirait Mohamed Ali, non? Ouais, nous avons Mohamed Ali, nous avons le président de la WBC avec le membre. Où chinois, yo, c'est le membre? Non, ça, ce sont les membres de la fédération pour la défense volontaire. Ok. Ouais. Alors. Et je vais vous dire quelque chose, Christian. Ok. La première fois quand je suis arrivé à Las Vegas, en convention de la WBC, je suis un diplôme et un meilleur boxeur. Je suis à côté ici, dans la zone ici, drapeau et à Congo sur le monde international. Okay. Parce que j'ai un drapeau à Zaïre. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai un ceinture où on a le drapeau à Zaïre. Il y a le bosso où on a gagné dans Monaco. J'ai un drapeau à Zaïre. Au jour d'aujourd'hui, drapeau à RDC, côté à un diplôme devant tout le monde. Non, nous, quand on prend mon nom, on fait. Je peux vous montrer, Christian, j'ai quelque part là. Ouais. Voilà. Ah, donc, il y a un petit drapeau. Ah oui. Donc, ce qui fait que Atali Kinomura a gagné le combat, drapeau est au Zalara. Ça veut dire que les gens ont comment raisonner un jour. Dès que j'aurai l'occasion de pouvoir voir le ministre, il va parler au président de la République. Comme ça, tu peux organiser. Pendant que tu as organisé un pays, tu as organisé déjà. Convention, Yangoyo, comme ça, Bissou Pétokota, quand tu peux organiser convention, amener tous ces jeux, Bapéu, donc, au Japon, Angleterre, Tokendakuna. Donc, Kenda Bambogonyo. Ah oui, Dieu a fait grâce, j'ai combattu partout. C'est-à-dire, tu as une carrière, tu as 30 combats, tu as une compétiteur de banda. Tu as différents pays. Aujourd'hui, est-ce que. Tu retiens une ligne de Mike Tyson? Bon, tu as une ligne de catégorie? Non, tu as une catégorie qui est basée sur le lourd, mais ce sont les mêmes titres que quand tu as une ligne de catégorie. Tyson a une ligne de Martin? Oui, tu as une ligne de Martin. Ah, ok. Mais Martin a commis une ligne de OIT. C'est-à-dire que tu as un niveau de mais dans la catégorie. Ah, tu as un niveau de Mohamed Ali, George Foreman, Mohamed Ali, Floyd Mayweather, tout le monde. Tu as le même titre, mais tu as la catégorie. Tu as la catégorie.
Non, mais vous êtes une fierté extrême, Nambo Kanabiso. Sincèrement, mais. Merci. Franchement. Merci. Donc, tout le bac, tant que vous êtes international, champion, vous êtes bataille, vous êtes à place. Oui, mais quand vous êtes dans la convention, tout le monde, si vous regardez aux conventions, il y a des images que ce qui est naïla qui ou pas. Oui, si j'ai vu quelques images, en tout cas, avec ce gars-là qui. Floyd. Oui, Floyd. Avec tous ces gens. Oui. Tu vas regarder même quand la dernière convention, quand on était au Mexique, vous allez voir que le président de la fédération, on était avec tous les champions. Oui. Tout le monde. Est-ce que tu peux battre Kanani, Tony Yoka? Tony Yoka, c'est heavyweight. Tu peux le mettre devant mon frère Martin, comme ça, ils peuvent discuter. Bah ça, catégorie, moi. Bien, catégorie, bon, été. Moi, je suis cruiserweight. Mais il y a un titre aux Anangot, Tony Yoka, dans le monde. Azanangot, à la 20e, tu es dans la catégorie. Mais je vous dis, vous entrez, vous regardez. Oui. Il peut même pas. À Kouminal, même pas un quart. Il y a place Nazar. Et je l'ai dit, je ne sous-estime pas. Oui, je comprends. Vous n'avez pas la même c'est la vérité. Quoi. Ok. Mais est-ce qu'il y en a Martin Bandé dans ma titre? Martin Zalikolo et Tony Yoka. Oh, dans ma titre, Martin Aliki Tony Yoka. Mais je vous dis, Martin Aliki Tony Yoka, c'est parce que nous, chez nous, on ne sait pas comment avancer. Oui, ça c'est vrai. Makambo est bien comme ça là-bas. La promotion. C'est moi qui ma français, Bangato, tu vois. Ouais. Donc on est passé à la publicité. Regarde Yuri Kalenga. Oui, Yuri Kalenga. Yuri Kalenga pour le moment, et depuis qu'il a perdu sa ceinture WBA, non, pas en assez. Mais vous avez une catégorie, voilà la catégorie. Toi catégorie moko. Ah, une belle catégorie moko. Ah, toi ça va cause à être bisonnance. Oui, mais quand la ceinture là haute. À comment wa te au niveau yo, je suis l'unique à Est-ce qu'elle est parmi les 20, non? Non, ma minute à en assez. Yuri n'a pas combattu ça fait longtemps depuis qu'il a perdu contre Cheslak. Ouais. Mais Cheslak on a eu bêté. Yeah. C'est-à-dire j'ai tapé Cheslak, Cheslak a tapé le Nigérien, il a tapé Yuri. Yeah. Yuri a perdu son titre WBA, mais quand avant Paul Bunda contre WBA, c'est moi qui devais combattre ça pour la ceinture à Monaco. Et moi, j'ai laissé, je suis allé à la WBC International et j'ai fait que mon manager puisse connecter son manager pour que Abunda. Ok. Ok. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a eu beaucoup de temps déjà pour ce là-bas? Déjà, non, je crois pas. Mais... Bon. Non, tu t'es calé au Bundate. Bon, Bundate non, t'es là. Non, tu t'es calé au Bundate, mais na mona quand même un vidéo et à l'oba que non, bar organisé, combat, nga inaie, mais na mitouni que na Bundate na ie pour la titre ni. Non, yo Bundate pour la titre en fait. Mais je vais combattre Yuri pour avoir quoi? Quel titre? C'est-à-dire moi j'ai fait d'abord pour toi et la tozo défendre une boxe. Peut-être une boxe loisir. Loisir. Aïe, tout ça, les sparringa, comme ça, c'est loisir, tout le monde est là, c'est tout. Au bétail, toi. Bon, c'est la boxe professionnelle, hein, je ne peux pas sous-estimer. Oui, ok. Ouais. Mais est-ce qu'on s'entraînera là, Anani, en fait? En tout cas, c'est ce que nous sommes en train de faire pour. Parce qu'on va s'entraîner là, ok, c'est sûrement, quoi. Tu as dit qu'on s'entraîne de façon qu'un jour, tout le monde peut s'entraîner, parce que tout le monde peut s'entraîner, pas du soir. Parce que chaque fois, tout le monde peut s'entraîner, le sparring, le banda. Ça là tout, mais nous avons aussi des capacités à accueillir ça peut être par un partenaire dans le monde de baye ba loger bango ba bango na ba na ba na ba hôtel il y a bien et puis celle peut être par est-ce qu'il arrive des moments où sentir que où ça se le côté quoi en fait, tu as tout gagné, tu as tout combattu au point que tu te dis ben ça sert plus à rien d'ici là quand je vais conquérir toute la fédération, c'est là où je vais commencer à penser à ça parce que ma vision maintenant est de prendre la ceinture, ce qu'on appelle Ring Magazine. C'est-à-dire je suis champion de la WBC et je cherche à faire ce qu'on appelle unification. Unification, c'est-à-dire je prends ma ceinture, je mets contre toutes les autres ceintures parce que lui il est numéro 1, ils vont venir et on va te donner le Ring Magazine. Champion, l'accent dans le bourg d'attendre, les nids, franchement. Je suis là. Mon il faut, ton zana champion. Naturel. Mon ami, ça l'a au greffe à l'ibende. Mais, champion, beaucoup pété, mais il y a un des coups, ça va tout bien. Mais oui, Christian, vous voyez, je suis un boxeur professionnel. Oui. On a vu très bien que ça nous semble maintenant. Et nous prenons tout notre temps de se préparer, mettre tout ce que vous voyez pour venir montrer et manifester un bon spectacle aux gens. Mais les spectacles que tu organises, en fait, est-ce que Yumor peut organiser en gros? Est-ce que vous envisagez qu'après la boxe, par exemple, ou comme un encadreur, un promoteur, ou comme un visage, je ne sais pas moi, qui porte les autres? Ce n'est pas pour rien, ça fait des années.
j'avais l'idée, j'avais fait sortir, vous voyez, les gens, ils ont vu la Fondation Macabre, mais qui n'a pas encore œuvré parce que je suis focalisé sur ma carrière encore. C'est-à-dire, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais carrière, lorsque vous avez un titre avant, il faut nous rendre à 40 ans comme la ça. Première, malgré un titre, nous avons un titre. Moke Zamba Zali Kosungabiso, Tosungi Bangoba, Basiba Kento Bimisa Bango, Bizo Bazaba Champion. Qu'est-ce qui te reste encore? C'est-à-dire. Ma perspective est d'un sous pour ni tikal ou gagner sous. Non, la première des choses, je serais. Et l'éco et tikal n'a gagné, ils ont Kozong Sambo, boxe Namboka. C'est-à-dire, j'ai envie que boxe et Zongi Namboka, et Bandi Pé Kosala Mandengi, tout ça la Kango Libanda. Ok. Moi, je. Vous voyez, Christian, je vais vous dire une chose. Tu as la condition où tu allais organiser ma combat où il pas bicho. Au moment, ils ont volonté où tu allais comme ça pour te faire causer sa boxe dans boca. Parce que de façon où ils ont organisé le championnat du monde à Libanda, ils ont des mots qu'on a à voir. Nous avons détenu un titre. Il s'agit qu'un promoteur vous appelle. Il veut prendre son titre. Il veut prendre le titre contre son boxeur. Il met son argent cash en bas et je pars. Je signe mon contrat, je pars me préparer et je vais combattre. Ah, c'est comme ça que vous faites? Ah, c'est comme ça. Donc, si, par exemple, on a dans le Bibor, il y a une ceinture dans un G, il y a un bongo. Okay. C'est de ma ceinture là. Ok. Comme c'est là, quand le pays a organisé, j'ai fait ce qu'on appelle défense volontaire. Et nous avons fait venir l'adversaire. C'est pour cela que nous sommes allés demander au gouvernement de nous aider. Vous voyez? Même sur le Tamboussa et Binomingi. Ouais, maintenant, là. Maintenant là, regarde, il y a des combats. Je suis le responsable de ce titre maintenant au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire au gagner, au confirmer. C'est-à-dire je peux faire ça partout dans le monde. Alors, mais par exemple, dans le combat de Soukao, tout le monde a qui on a. Il y a toujours dans le combat parce qu'il y a des gens qui ont un esprit. Le premier round, il y a un round d'observation, ainsi de suite. Mais il y a un 8e, je crois. Mais je vous dis. À partir de quel moment ça fait que vous gagnez le combat? Peut-être que vous allez le Makamoussou sur le impact. C'est-à-dire le premier round, il y a un round d'observation, il y a un boxe professionnel, il y a deux rounds, trois premiers rounds, il y a un round très dangereux. Oyo, il y a un round. Il y a une intention de faire un peu. Il capter quelque chose de sa part. Il peut avoir quelque chose de ta part. Deuxième round, il y a un fandi. 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 Il y a un round très très dangereux. Ce qui fait que vous avez mis le temps. Il faut être très très attentif. C'est noté. Box est différent parce que erreur moko combat ici. Box est limité par erreur test. C'est pour ça que ça demande beaucoup de concentration. Est-ce qu'un round moko trop pour la paix? Dans le jeu, même seconde. Mac Tazon faisait le genre que par seconde combat ici, lui bat tout le billet, mais moi j'ai fait ça. Vous savez la deuxième? Ah, moi j'ai fait beaucoup de combats. Regarde beaucoup. Regarde beaucoup de la plupart de plus de 15 combats. C'est erreur bat tout foutre billet, bat tout pour tenir une nation assise sur combat. J'ai fait ça. Mais il y a une tactique au salon. Quand vous cotiez na terrain ring, au tel moment dans ma colo, na misu, na libou, quels sont les signes qui te disent que je frappe ici et maintenant? La boxe professionnelle, avant d'abord d'affronter ton adversaire, il y a des combats, il y a des styles, vous vous préparez. Vous suivez ce que l'entraîneur vous dit. Et on vous amène les sparring partenaires qui ont la corpulence de la même personne que vous allez combattre, qui peuvent même copier son style. Ok. Dans le sparring, là, vous battez peu. Oui. Mais quand vous faites un peu solo. Oui, tu as fait des spectacles. Tu as fait des choses que tu as préparées dans le sparring. Dans le sparring, tu as fait des cassures, tu as fait des panzes, tu as fait des sparring. Je fais KO sparring de ce combat. C'est pour ça que j'étais sûr, quand j'ai R Naïaki, dans une conférence de presse, que je vais faire KO. Oui, parce que maintenant qu'il y a un déroulement prétention. Mais comment le gars peut dire déjà qu'on est en tout KO? Mais moi, je les ai dit que je suis artiste de KO. Ça dit si c'est KO, ça dit, je sais. Donc, on est que ça a KO, tu quoi. Donc, tu n'es pas en train de nous attendre. Je savais qu'on a eu un KO. Et puis, on a eu un KO. Et puis, on a eu un KO. On a eu un KO. On a eu un KO. On a eu oui, on a fait Zamba, on a évité côté de nos communes, c'est-à-dire, on a eu un KO. Parce que le Mouni,
Imebeti, Nzemwembi, mais champion vous êtes la gana une longue. Au jour d'aujourd'hui, Nazana est saint parce que j'ai accompli ce qui était ma vision pour le Congo. Mais c'était un combat difficile. Ouais, j'ai gagné ça devant le président, j'ai défendu, j'ai prouvé. Je suis content. Alors, mais dites-nous un peu, la première round, deuxième round, troisième round, est-ce qu'à un moment donné, on perd l'espoir que vous gagnez le combat au thé? Non, nous allons être sûr, moi, vis-à-vis à ce que nous avons préparé, nous avons fait un KO, mais nous avons fait un 40e round. J'étais pas KO, mais nous avons fait un quel round. Parce qu'à un moment donné, j'entendais les journalistes dire, mais Ilunga, frappe bien, enfin, passez bien, mais c'est bien de parler, hein, qu'il est frappé là-bas sur le terrain, quoi. Mais si vous regardez très bien, j'ai gagné tout le round. Oui. Ah, ok. Ouais, on a gagné ma round, nuance, dans le premier round. Je marquais le point. C'est-à-dire, j'étais sûr. Mais dans une guerre sur le coin, là, où bêtis droite, je crois gauche, hein. Avant droite, oui. J'ai bêtis crochet. Oui. Et puis, il y en a droite. Mais André le couvre, monsieur, comment quitter parce qu'il y a quoi qui déjà? Non, mais je vous dis, d'abord, oh, il y a le bossu, d'abord, c'est au talent, on vient de Azak de Asoni. Oui, Asoni, oui. Parce qu'Azongi, quand il y a quoi, ok. Tu n'as pas besoin de remettre. Non, tu n'es pas obligé. Oui. Dès que tu fais ça, tu seras sanctionné. D'accord. Arbitre a compté, il y a pas ballon, il y a point, quelqu'un peut se couvrir facilement. Ok. Alors, ce que tu as, mettons à Télémaki, qu'est-ce qui prouve qu'il y a quoi, Kao, ils en ligne? Soit à Télémaki, ou au temps pour la tête? Alors, Télémi, arbitre, le temps au Télémaki. Oui. On est en train de te compter. Ok. Ce n'est pas seulement l'arbitre qui compte, même le juge à l'extérieur il compte. L'arbitre à d'autres landes compte ou en Mabamisapi, Négézalal. Et aussi, comme on a 8e, qui est au Télémi, l'arbitre doit observer. C'est-à-dire, bah, quand on a eu, ok, ça reste qu'on a bien. Ce qu'on dit, qu'on a bien. Il faut qu'on dit, qu'on a bien, aux ongles, c'est beaucoup de colons. Regardez bien. Il n'a pas pu, hein. Ouais, regardez bien, je vais montrer les gens. Bah, au bazar, il y a un spectacle. Bon, mais quand tu as la R, na glisse, ça qui n'a pas été contre Cheslak. Et puis, tellement que gagne tout ça qui n'a pas été, et ça, règlement. Bah, compte à Kinga. Bon, mais quand tu as la R, bazo compte à Kinga. Bah, c'est ça qui est pour montrer que je suis prêt. C'est ça la boxe. Protect yourself all the time, ding balubaga. C'est-à-dire, se protéger chaque fois, c'est le rules, le règlement. Excusez-moi. Oui, mais oui, il fait pas été. Non, lui, il n'a pas fait ça. Ici. Et puis, il a quitté ici. Ouais. Et puis, quand Herba Kotouna, si va bien, on va te demander de faire un pas en avant. Ouais. Pour voir si tu ne peux pas. Ouais. Mais lui, il n'a pas été. Et puis, directement, on te protège. On a eu bloqué, bon. Au tchasse, Fimbo. Fimbo. Chicote. Ça dit non, je me suis rappelé de Bakambu. Ouais. Parce qu'il y a le match, quand on a regardé, on a vu comment Bakambu jouait. Là. Ok. Mais à la RFI, par exemple, vous avez annoncé que vous allez tenter l'unification de la ceinture Nyos en 2021, notamment Wembo, hein, je crois que c'est ça, hein? Wembo, Wembo, ou il y a Tisco vacant. Expliquez-moi ce nom, c'est quoi l'affaire? La première des choses est que nous sommes en train de voir avec mon manager. Parce qu'il faut Bounala Arsène, je crois. Non, 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 je ne veux pas. Tu vois, les gens souvent parlent des choses. L'Internet, Mikolo est commis beaucoup, suivi. Peut-être une dernière sur le bruit. Il y a des questions qui viennent, il y a des promoteurs de pièges, c'est comme ça. Mais nous ne pouvons pas dire ce que nous préparons. D'accord. Mais moi, ce que je sais, c'est que je veux faire les unifications, je veux faire beaucoup, 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 beaucoup de choses. Pourquoi on ne parle pas de ça? Parce que quand tu parles d'autres unifications, autre chose, la fédération, monsieur, il y a pas jaloux. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. S'affronter. Mais qu'est-ce que ça veut dire unification? Unification, c'est-à-dire tu viens avec ton titre, moi je viens avec mon titre, et puis on unifie. Parlons maintenant, argent pour terminer cette émission. Merci. Vous gagnez à combien à boxe, par exemple? Première des choses, notre ceinture à WBC, Azana, Azana, limitation, il y a un titre, c'est-à-dire, Bakocha limite que ceinture, ce qu'ils ont vacant. C'est qu'à la WBC international, tu peux gagner peut-être 200 000 $, exemple. Ce que ça silver, l'imitation n'a pas autant. Ce qui Moutoaza champion, il doit avoir autant. Et son adversaire doit avoir autant. N'a quoi expliquer. Par exemple, ça dépend aussi de bise avec le promoteur. Si le promoteur, vous êtes promoteur, vous acceptez de donner votre champion, qui est champion du monde numéro 1, la bourse de 1 500 000, 2 millions, 3 millions pour sa ceinture. Dans cet argent, il doit payer la taxe de la WBC. Oh.
et le champion gagne et son adversaire, si c'est le contrat a été fait comme ça, il peut gagner 50% parce qu'il est challenger. Mmh. C'est le champion, on privilège le champion. Parce que c'est lui le tenant du titre. Et à la prochaine fois où tu voudras aller défendre ton titre à l'extérieur, les gens gagnent beaucoup plus. Je vous donne l'exemple de l'unification. Moyen babomba, babour, ou bien bambon, ou anandengue, tout ça, on a des billets, pas des choses, il n'y en aura pas. Et qu'on a la comment, sur Internet, et sur les gens directs, comme de Floyd Mayweather, qui a gagné 280 millions de dollars contre Pacquiao. Et ça, bambon, ou bien, tout ça, on a eu quand il faut, ou bien, tu vois, ce sont des montants. Boyo, on a gagné combien? Non, des fois, comme c'est au pays, comme je vous ai dit, il y a eu des problèmes avec le gouvernement, bah, sanctionnant que peut-être le gouvernement, et des décisions seront prises par le président si on veut Kobi Misambongo et tout ça, comme j'avais la volonté de pouvoir faire aider le pays. Mm. C'est-à-dire j'attends jusque-là. Et on puisse finaliser l'histoire. Dans deux ans, nous allons nous y. Je suis sûr que le ministre des Sports et les promoteurs sont en train de faire toutes les demandes. Mais en principe, nous allons nous faire la bonté, nous allons nous faire un bon nom d'avant. Comme je vous ai dit, oui. Si je fais tout ça, c'est pour le pays. Peut-être que les gens peuvent voir. Et puis tu te plains jamais, quoi. Ouais, je suis la personne qui aime voir le pays aller de l'avant que les nuire. Parce que à ton niveau, sur le lobby, les médias vont prendre l'affaire et ça va salir le pays. Et Libanda, le promoteur, le promoteur, le bundi, le pananga, le foot, le entraîneur, le taxe, le tunis, le Canadien, le pananga, le comou, le balai, quoi que ce soit. Mais est-ce qu'on a foutu l'adversaire là? Mon adversaire a été très bien payé. Ah d'accord. La taxe de la WBC a été très bien payée telle que c'était écrit dans le contrat. Les arbitres et les juges sont venus, ils étaient bien reçus, ils ont eu leur argent et tout a été bien réglé. Mais le fils du pays lui-même attend. Moi-même, j'attends. Mais c'est quand même compliqué ce pays, franchement. Non. On fait attendre un champion. Non, je suis en train de prier et je suis sûr avec notre président, ça va changer. Ce n'est pas facile. Mon président a un très grand travail. Je vous dis. Parce que je vois comment vous avez préparé le combat dans des conditions très difficiles. Nous sommes là. Nous sommes là pour que le pays aille de l'avant. Ouais, nous sommes bons, beaucoup plus ça, la boue, l'ingité, tout ça. Nous avons parmi bateaux, bazo linga qui ba médiocrité, nous sommes les canambo qui est longwa. Et moi, je suis sûr, ceux qui bissent au moni en côté, ben on a bissé au moni. Est-ce que tu as un regard aussi sur la politique? Moi, je ne pense pas à être un politicien demain. Je pense à être un grand promoteur, un grand manager, faire évoluer les enfants dans le pays, amener de ceinture, faire voir, c'est-à-dire côté que l'image jambo kandenge bato on suit ça là quand on libanda. Mais nous prions pour que d'abord Futombongo nayo et nous prions pour que tout celui qui va combattre pour le pays au moins un bon on aille comme tout le monde, sinon c'est quand même une honte. Ouais, non, j'espère que avec le président ça va aller. J'espère qu'il est beaucoup surchargé avec beaucoup de choses, il a beaucoup de problèmes, il a beaucoup à sa charge macasse. Mais moi je suis sûr que ça va aller. Attention qu'il est loté. C'est moi le champion. Je fais mon travail. Dieu reste toujours juste. Et moi, je sais, j'ai une vision. On a commis place en or. C'est pas au hasard et par accident que je suis là. On termine. Après, oui, ni nous sommes. Après, tu te dis, nous sommes à l'école. Non. Nous avons c'est bien que. À ta titre, mon côté, à Zali, à titre. Mon côté. Est-ce que Congolais, mon corps, a assez à Zali déjà titre? Attends, mon côté. Nous avons le d'abord, Africain d'abord. Moutouali Bosso Azoua, il y a 32 ans, Eric Simon, avec un Sud-Africain. Nous avons la biographie mobile. Après 32 ans, je suis l'unique SL africain. Afrique. Je rappelle, pour ne pas comprendre, titre Oyo, il a même titre Oyo, Georges Foreman, Azanango. Il a même titre Oyo, Mohamed Ali, Azanango. Pacquiao Azoua, Floyd Mayweather, Canelo. Fury, sauf Anthony Joshua. Deontay Walter.
mais vous êtes le seul Africain à avoir ce titre. Ah, oui. Et pour la première fois, le drapeau de la RDC est côté Neloko. Ah oui. Et yom tout côté ce drapeau. Ah oui, parce que j'ai un diplôme, moi, je suis sûr. Mon cadimanda, s'il est là, il est témoin, je lui ai amené, je lui ai donné, il va donner à la fédération. Mais toi-même, au Congo, ah, oui. Tu n'as pas de place. Ah oui, ça va. Oh, c'est pas possible. Mon pays, je crois que le chef de l'État va devoir travailler sur la question pour que... Est-ce que ça, c'est le président de la République ou le ministre des Sports? Non, c'est le président de la République. Parce okay. que moi, au jour d'aujourd'hui, je suis fier. Quand j'ai amené ça à mon père, quand je lui ai amené chez moi, je dis, papa, regarde là où tu mettais moi quand même. Parce que ton père était compétiteur, mais il n'est jamais arrivé ici. Ouais, ouais, ouais. Il était fier de moi. Comment les Sud-Africains te regardent? Non, ils me regardent. Ils sont fiers. D'un Africain. D'un Africain. Mais le Congo lui-même. Ouais, et regardez sur leur Twitter et sur leur Internet. Même quand le président était chez Ramaphosa, il sait. Ils ont vu, ils ont tweeté, ils ont posté. Ramaphosa te connaît. Oui, mais il est dans la même église avec nos frères. D'accord. Mais est-ce que l'Assemblée nationale t'a déjà reçu? Jamais. Je sais que je profite aussi de l'occasion pour dire quelque chose que je voudrais oublier. Et Zakakana Moutmoko. À Tounanga, qu'est-ce que nous pouvons faire pour te comprendre au niveau mondial, Moïse Katumbi, quand je lui ai réussi. Aujourd'hui, mon président Moïse Katumbi, voilà, je suis arrivé, là où vous êtes. Et là, à Tounanga, Tawana, Yango. Monsieur Moïse Katumbi, Tchapou est président, et puis Monsieur Salomon Skadela, Moni champion. Mais est-ce que dans le sport, il y a football, il y a football, il y a niveau, il y a un niveau, il y a un niveau. Attends, dans le niveau, ok, 32 ans, Moto a commencé à boxe à Tawana. À la Koufa et Moutouté en Afrique et en Congo et à la Wap Moutouté à Salé. Est-ce qu'on a tout ça depuis tout ça l'équivalence? Est-ce qu'on a football bah, comme on a niveau où il y a champion du monde bah, comité, bah, comité. Est-ce qu'il y a karaté bah, comme on bah, comité. Donc, Moutouté a comme on est là où t'as pas eu au Congo dans les Arabes. Je suis là. Je n'ai pas le bango par orgueilleté, mais je dis par ce que je fais, c'est la vérité. Champion, ceinture dans un voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur pour moi de recevoir ce grand champion de notre République. Les gens devraient savoir respecter la mémoire et abattre, et surtout le combat des gens. Le pays nous fait qu'il n'y a pas de bosso parce qu'il va honorer le haut à Bango, le trésor à Bango, la rare pièce à Bango. Au hasard, il va dénouer beaucoup et il y a un square box parce que le Mukwege c'est l'espace national, international, il n'est pas international. Ça veut dire que. Congolais mogali qui azaté, il y a aucun Congolais qui, il y a aucun Africain à l'équipe. Donc il peut parler devant Michael Tyson, il peut parler devant Foreman, soit Zaki en vie, il peut parler devant tous ces gens-là, parce qu'en réalité c'est notre fierté. Mais le Congo, comme on ne sait jamais vendre, ou à bifé malamu, ou au talamu tuné kolo, ou au talamu tuné âge, ou au talamu tuné parce qu'il y a la religion à ôter, et finalement voilà comment on est en train de sacrifier un talent. Tout le monde a été payé sauf lui. Et pour quelle raison? Non, évidemment, comme c'est un Congolais, non mais c'est pas possible. Champion, c'est un grand plaisir. Merci. Toujours regretté parce qu'au Tokyo, on n'a pas de bonnes conditions. Non. Hein. C'est... Christian, ne vous inquiétez pas. Liboso, toujours Kendawa. Mboka na biso ko changer si Dieu le veut. Nous, on croit. Et Liboso, toujours Kendawa, on a besoin la capacité à pour ça, un grand combat. Il y a le bateau Christian, au cours on va payer dans la condition. Ce serait un grand plaisir. C'est ça. C'est-à-dire, nous sommes là pour soutenir le talent. Il faut battre, soutenir Liboso. Nous, ce que nous avons fait pour le pays, il faut que le pays regarde aussi qu'est-ce qu'il peut faire pour ceux-là qui font. Exactement, pour faire la fierté. Sokotali, moi, je peux. Ils ont mais je suis plus que notre ministre, je suis plus que. Sauf le président de la République. Mm. Parce que hier, Erosa président, Bazo, il y en a un monde. Oui, mais vous êtes un véritable ambassadeur, Mokanabiso. En fait, vous représentez le Congo, en fait. Oui, c'est ça. Oui, vous représentez le Congo. Je fais ce qui est. Bon pour ce pays. Oui. Les, au jour d'aujourd'hui, le plan mondial, parce que sur côté, il faut avoir mon numéro 1 à Google, à tel nom, Macabre, à Outo, à Congo. Et bien, on nous demande, c'est que t'es Zaïre? Oui, non, la République démocratique du Congo, chez nous. Et c'est une fierté. Merci beaucoup, champion Fonatikayo. Merci. Natikayo, parce que on a mis là pour ça. Là. Merci et moi, c'était un grand honneur d'avoir cette exclusivité mondiale. Merci. Lobby des gens, au monde, on a journaux et coma, ouragan et coma déjà. Bon, ça, l'article est malonga, article solo. Merci. Parce que ce que nous pouvons faire pour la Yuizaka, pour l'Oba, Nako, Pisako, Bimisa, Oyo, Sali, pour la Mokanabiso. Vous n'imaginez pas, vous êtes une véritable fierté. Et moi, je suis fier d'être Congolais parce que vous êtes Congolais. Merci beaucoup, Christian. Moi aussi, j'admire le travail que. Vous faites voir des talents comme ça, jeunes. Moi,
je vous encourage. Merci. Allons de l'avant pour le bien de notre pays. Merci, champion. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'était un grand honneur. Je vous retrouve très prochainement. Des questions, vous pouvez vous les poser. Il faut dire que ce n'est pas facile de recevoir le champion. D'abord, il ne parle pas beaucoup. Il est très discret. Avant, à Twitter, tu as consulté que, oh non, Ngaï Junior Makambo na Twitter, Ngaï Mutana Sengimbo, il n'est pas dans le Twitter, dans vos histoires. Il n'est pas sur Facebook, il n'est pas dans vos réseaux sociaux. Surtout pas pour demander de l'argent ou pour demander de l'aide. Dans ce monde, quand modèle est commis, c'est qu'à Zahamou, dans le Koutal Yakos. Lui, il n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas dans les émissions de télévision. Il n'est vraiment pas. C'est un monsieur très, très, très discret et réservé. Mais il nous a fait l'honneur de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux-là qui nous ont suivis. Et champion avec Yomoro Tokinabatou. Non, merci. Ouais. Moi, j'ai dit merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait que je sois aujourd'hui champion du monde, qui m'a aidé à pouvoir encore avancer. Et j'ai dit aussi merci au général Louyoyo. J'ai dit aussi merci à toute mon équipe et à la Fédération Congolaise de Boxe. Et je suis très convaincu que la première dame est en train de suivre cette émission. Merci. Oui. Maman Denise Nyakeo, oui. J'ai dit aussi merci. Et je profite aussi de l'occasion pour dire merci à maman Marthe. Oui. Salutia. Ah, d'accord. Je la connais. Ok. J'ai travaillé pour l'UDPS. La maman du président? Oui. Okay. Moi, j'ai travaillé pour l'UDPS. J'étais président des jeunes de l'UDPS de Kananga. Oh. La première fois où je suis venu voir le président Etienne Tshisekedi, c'était, j'étais encore trop petit. Ok. Ouais. Donc, il y a mon bac à la fois. Ah, ouais. Merci beaucoup à tout le monde. En tout cas, merci. Jean-Ri Koumonde qui était avec moi, un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Azaki Nangawa. Merci. Na Homo Fortus Elikia. Bazaki Bele, Yannick Lomang, Yabakoto. Moune, bah, Michel, il faut attendre la combo, sinon on aura un problème. Mais ami champion, t'as dit comment vous foutez merde pour plein. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les récits. Ah. Plus précisément, dans le Washington. Balobi Maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Balobi Shop, Africa Union. Mais quand t'es qu'un nyonso, bilogo ya 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 congolais. On y dit ne ko la yo, a sali sa yote. Bon a koli a la yo, moko ba bon de la yo. Bon a mtoto na yo, moko ya ele. Poko ba bon de la yo. Balobi bio. Bio Africa Union et toi t'es là. Tout à coup on a pas six mois. Sinon vous voyez pas, sinon vous voyez rien. Mon combo. Dès qu'on a là, on t'es là. Alors t'es là, bio quoi, y'a mboka. Y'a fraise. Y'a bio. Bio na bio. Bio na bio. Si on a mangé, pour la mon canja isali. Barubi nzomo et yali. Et kuba paniwa. Barubi nzenze isali. Y'a combo canja isali. Y'a mboto y'a mbise. Barubi nyama y'a mboto y'a mboko mboto y'a zagane. Kala ngando nena lali na basi. Toye mali, toye bolonde ne la lisa.